et avec la Water Family, donc avec un expert de la Water Family, intervenir dans les écoles et dans les collèges. Donc voilà, c'était un bon moment. Je crois qu'ils ont pu voir 6 classes, donc avec un expert de la Water Family qui a fait une sensibilisation sur la protection de l'eau et le Dieu. Et puis bah, moi, vu que j'ai grandi là-bas, c'était l'occasion aussi d'aller rencontrer les jeunes là-bas. Donc c'était un moment qui était vraiment sympa. On a pu échanger autour du Vendée Globe, autour du projet sportif, mais aussi autour de l'eau, autour de l'environnement. Et voilà, on a pu voir que les jeunes avaient plein d'idées, donc c'était chouette. C'était aussi l'occasion d'aller présenter le film qu'on a pu faire avec Charles Drapeau sur l'histoire du Vendée Globe, de notre Vendée Globe en tout cas, et d'aller le présenter à tous les îlets. Donc on a fait notre dernière projection de ce film au cinéma hier soir. Voilà, et aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, donc c'était un beau clin d'œil en tout cas à faire à la Water Family et puis au public de l'Udieu, quoi. La Water Family, donc association qui a été créée il y a 10 ans, c'est venu un peu des sportifs, des champions de un peu de toutes disciplines, montagne et océan. On crée cette association pour sensibiliser à la protection de l'environnement, mais un peu sur tout terrain, pas que sur l'océan, mais également dans les terres, en remontant jusqu'aux sources, les fleuves, les rivières, parce qu'une action qu'on a quelque part a des conséquences, a un lien tout à fait autre part. L'association, au fur et à mesure qu'elle s'est développée, a intégré une équipe pédagogique qui conçoit des programmes, des jeux, des événements maintenant, et pour sensibiliser justement voilà, la protection de l'eau, de notre santé et du monde vivant. C'est principalement de la pédagogie, donc la Water Family elle va intervenir auprès des écoles, des classes, des collèges, pour aller sensibiliser les jeunes sur la protection de l'eau, parce que l'eau c'est la vie tout simplement, sans eau on peut pas vivre, et donc voilà, leur expliquer tout simplement comment est-ce qu'on peut la protéger, où est-ce que l'eau est présente, et voilà, ça c'est vraiment le rôle de l'asso, c'est d'aller intervenir dans les écoles, dans les classes. Prendre son vélo le matin, c'est-à-dire la mobilité douce. Ne pas gaspiller l'eau quand tu prends sa douche par exemple. Et après, on va un peu plus loin dans la consommation responsable, puisqu'on parle de l'eau invisible, en fait, l'eau qu'on ne se voit pas consommer. Par exemple, quand on achète un jean en coton, on n'imagine pas que ce coton il avait besoin d'être arrosé, que ce jean avait besoin d'être passé dans l'usine, que le transport, en fait, il y a eu de l'eau d'utiliser quelque part, mais, des fois pour faire pression et ressortir le pétrole. Enfin voilà, toute cette eau qu'on ne se voit pas consommer, et ça, on essaye, c'est remonter à la source encore une nouvelle fois, d'un objet ou de notre alimentation, pour comprendre qu'en fait, il y a eu beaucoup de consommation d'eau, il y a pu avoir de la pollution de créer, donc ça va nous mener à réfléchir à notre consommation et ça va nous emmener à une consommation plus responsable. J'ai fait le programme Water Responsable, donc la première approche justement sur ce que disait Clovis, où on apprend l'importance de l'eau pour nous, pour l'environnement, comment la protéger, comment ne pas la gaspiller. Une intervention, ça se passe en deux temps. Il y a une première partie où on va faire plus de la pédagogie, où on va leur expliquer l'importance de tout ça. Et dans un second temps, après, on va aborder ça sous forme de jeu. Donc on va faire un jeu pour voir un petit peu ce qu'ils ont retenu de notre intervention. Et puis, on finira l'intervention par l'éco-geste, par leur engagement. Donc, ils vont aller... j'ai eu l'occasion après de parler avec certains... parents qui sont venus nous voir en disant « les enfants nous ont donné rendez-vous pour qu'on aille planter le petit arbre et qu'ils nous fassent un cours sur comment est-ce qu'on peut protéger notre eau, comment est-ce qu'on peut protéger notre environnement. » Donc ça veut dire que le message est bien passé. Et le rôle de l'association Water Family, il est là, il est justement là. Quoi. Ouais. Le temps fort, c'est vraiment le contact avec les jeunes. Ils ont été vraiment... déjà très intéressé par la mer, le projet sportif, mais aussi par les messages de l'association. Donc c'est ça a été à chaque fois un temps assez fort, avec un temps d'échange, avec des questions très variées, très différentes. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On voyait qu'on avait un public de jeunes qui étaient quand même attachés à la mer, etc. Donc c'était très très intéressant, quoi.